moi, ça signifie qu'on ne montre pas notre vraie personnalité sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui se donnent une fausse identité. Être beau, être parfait, et puis de pas avoir de défauts. Se cacher derrière un écran. Ou derrière l'anonymat. Harceler des gens, dévoiler son identité. Ça peut amener les gens à avoir une mauvaise image d'eux. On porte un masque, on se cache derrière quelque chose, on essaye de donner une fausse image de nous-mêmes ou de s'adapter aux désirs des autres. Enfin, on essaye de trouver une désirabilité sociale. Il y a un égocentrisme assez important qui m'énerve beaucoup, honnêtement. Et je pense que même moi, je suis un peu comme ça. Je montre à mes amis comme quoi je profite de la vie. Il y a des jours où je fais que ça. Pour aucune raison, je scrolle limite sans âme en fait. Si je regarde, j'aime des trucs et je m'en souviens surtout pas après en fait. On a une vitrine justement sur soi. Il y a beaucoup trop de gens qui se donnent une certaine image alors que c'est pas du tout ça dans la vraie vie. Que la comparaison est parfois difficile quand on voit, enfin on a toujours l'impression que les gens ont une vie extraordinaire. Et moi je pense pas que c'est forcément une bonne chose, c'est pour ça que même sur les réseaux sociaux on doit rester soi-même quoi. Si des gens qui mettent beaucoup de positif sur les réseaux sociaux. Le fait de partager quand même, que ce soit des bons moments en photo ou des belles choses qu'on a vues ou qu'on a vécues, moi je trouve ça quand même sympa suivant l'utilisation qu'on en a. Bah j'essaie d'être la plus authentique possible, je poste une photo de moi, je vais pas essayer de retoucher ou d'avoir la meilleure, je vais poster celle qui me paraît la plus drôle ou... pas prendre 500 photos pour plaire à quelqu'un ou quelque chose. Comme pour tout, je pense que si c'est bien utilisé, oui, il y a du positif. C'est aussi ouvert à tout le monde, donc on peut montrer ce qu'on fait, on peut prendre contact plus facilement aussi avec des personnes. C'est aussi ça qui permet aussi des liens sociaux qui sont peut-être différents que si on était dans la vraie vie. Je me sens être honnête avec les gens, je montre qui je suis. Puis des gens à qui parler, à qui pouvoir se confier. Donc oui, à mon avis, pour moi, c'est quelque chose de positif.